Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une dictée qui est issue du roman Croc Blanc de Jack London. Donc dans un premier temps, je vais vous faire la lecture du texte en entier, ensuite je vous ferai la dictée et enfin une relecture pour que vous corrigiez vos erreurs. Donc le terme Croc Blanc est déjà écrit dans le défi que vous trouverez sur le NT. Croc Blanc, lui, venait tout droit de la nature sauvage où les faibles ne font pas de vieux os et où l'on ne peut compter sur aucune protection. Ni chez son père ni chez sa mère, il n'y avait eu la moindre trace de faiblesse, pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations dont ils étaient issus. Une constitution de fer et une sauvage vitalité, tel était l'héritage de Croc-Blanc. Voilà pour la première lecture. Passons maintenant à la dictée. Croc-Blanc, virgule. Lui, virgule. Venez tout droit. Venez tout droit de la nature sauvage. Venez tout droit de la nature sauvage où les faibles ne font pas de vieux os. Où les faibles ne font pas de vieux os. Et où l'on ne peut compter sur aucune protection. Et où l'on ne peut compter sur aucune protection. Point. Je relis cette première phrase. Croc-Blanc, virgule, lui, virgule, venait tout droit de la nature sauvage où les faibles ne font pas de vieux os et où l'on ne peut compter sur aucune protection. Point. Ni chez son père, virgule, ni chez son père, virgule, ni chez sa mère, virgule, il n'y avait eu la moindre trace de faiblesse. Il n'y avait eu la moindre trace de faiblesse, virgule, pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations. Pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations dont ils étaient issus. Point. Pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations dont ils étaient issus. Point. Je relis cette phrase. Ni chez son père, virgule, ni chez sa mère, virgule, il n'y avait eu la moindre trace de faiblesse, virgule, pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations dont ils étaient issus. Point. Une constitution de fer et une sauvage vitalité. Une constitution de fer et une sauvage vitalité, virgule, tel était l'héritage de Croc-Blanc. Point. Tel était l'héritage de Croc-Blanc. Point. Je relis la dernière phrase. Une constitution de fer et une sauvage vitalité, virgule, tel était l'héritage de Croc-Blanc. Point. Dernière lecture, je vous dis sur quel point vous devez faire attention. Croc-Blanc, lui, venait tout droit de la nature sauvage. Faites attention à la terminaison de venait. Où les faibles ne font pas de vieux os. Faites attention à l'orthographe de « et où », encore une fois attention à l'orthographe, « l'on ne peut compter sur aucune protection », attention à la terminaison de « compter ». Ni chez son père ni chez sa mère, il n'y avait eu la moindre trace de faiblesse, donc normalement pas de souci ici, pas plus d'ailleurs que dans toutes les générations dont ils étaient issus. Faites attention au groupe nominal « toutes les générations » et également les terminaisons de « étaient » et « issus », dont ils étaient issus.
une constitution de fer et une sauvage vitalité, tel était l'héritage de Cro-Blanc. Enfin, vous ferez attention surtout au mot « tel ». Voilà pour la dictée. À bientôt.